Oh, merci. Merci beaucoup. Ah, oh, bonjour. Hey. Ah, la fabuleuse Viera Kimo vient d'arriver. Elle est absolument renversante comme là. Oui, oui, ne te fais pas de soucis. Hello, Sonia. Bonjour. Oh, mon Dieu, toute la famille de Viera Kimo. Tu es splendide. Tu m'as manqué. Magnifique. Chloé, tu es là aussi. Hey, merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, la presse va prendre quelques photos. Merci, Alexis. Oh là là, j'ai une petite. Allez, la presse va vous prendre en photo. C'est bon, tu es sur le coup? Non. Ok, ok, ça va. Ah mais oui, allez, on va faire des photos. Vous m'avez manqué. Oui, oui, Marc. Marc, merci. Vous êtes merci. Pas de quoi. Fais comme moi. On pose. Allez. Allez, on voit que la Marie arrive. Ah, ça marche bien. Sonia, je l'ai étendue. Allez, on recule, on recule. Oh, la Marie est là. Augustine vient juste d'arriver. C'est le grand jour pour elle. Elle va enfin se marier avec Louis Villamor. Gigi, tu es prête? Étendez-le, étendez-le. Faites attention à bien la couvrir, d'accord? Personne ne doit la voir. Gigi? Personne n'est censé voir Jelai. La voilà! Attention, la reine d'Angleterre. Bien, faites très attention. La voilà, elle est là, car elle ne voit rien, d'accord? Wow. Jelai! Désolée, mais la porte était ouverte, alors je suis entrée. Je suis juste venue te donner ceci. Il est âgé de 24 semaines. Ton enfant. Notre bébé. Je ne sais pas encore quel nom je vais lui donner. Je suis tellement excitée, Louis. Et toi? Navrée, Victoria. Je me marie maintenant. Je suis peut-être venue te demander si tu es vraiment sûre à propos de ce mariage. Tu veux vraiment épouser Jelai? Allons, Victoria, ce n'est pas bien. Ne me fais pas je ça, je t'en prie. Je serai une bonne mère. Je serai une bonne épouse. Louis, je t'en prie, épouse-moi. Choisis-moi plutôt qu'elle, Louis. Je ferai n'importe quoi pour toi. Louis, je t'en prie, Louis. Je t'en supplie. Si on me demandait de choisir entre renoncer à mon orgueil ou à mon amour pour toi, Louis, je choisirais de renoncer à mon orgueil. Je ne peux pas supporter d'être sans toi. Je ne peux absolument pas vivre sans toi, Louis. Victoria. Louis, je t'en prie. Victoria, arrête ça. S'il te plaît, arrête, Victoria. Tu n'as pas honte, tu n'as aucun respect pour moi, hein? Tu ne devrais pas t'infliger ça. Victoria, nous nous reverrons pour parler de l'enfant, ok? Faites attention. Et voilà. Faites attention, s'il vous plaît. Nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant, découvrons la mariée. Jelai, tu es magnifique. Pourquoi ne pas prendre quelques photos en attendant? D'accord? Trouve le photographe, Anthony. Fais vite. Et Brent, d'accord? Allons-y, les enfants. Allez, préparons les lieux. Oh, Jelai, tu es splendide. Pardon.
Regarde, Jelai, c'est Kaloy. Jelai, tu es si belle. Jelai a besoin de moi, là. Il faut que j'aille à l'église. Avance. D'accord. C'est génial. On a réussi. Tu te souviens? Autrefois, on ne faisait que s'incruster dans les mariages. Prends mon bras. Exact. Mais regarde-nous maintenant, Jelai. C'est ton mariage aujourd'hui. C'est incroyable. Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'un jour on se retrouve. Toi dans une robe de mariée, moi dans un superbe smoking. À propos, t'es absolument superbe. Ouais. Et je n'aurais jamais cru non plus que je descendrais une aussi belle travée. Mais je ne suis pas ton futur mari. Imagine un peu. Et si tout ça s'était passé autrement, et que je sois la personne que tu épouses. Le mariage serait bien plus extravagant. Oh, Kaloy, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Aïe. C'est juste le fruit de mon imagination, tu sais. Calme-toi. Je te plante là, fais attention. Je plaisante, t'inquiète pas. Quel idiot tu fais. Jelai, dis-moi, est-ce que tu crois au destin? Est-ce que tu penses que la personne qu'on finit par choisir est notre âme sœur? Et toi? Oui. J'en suis sûr. Je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire. Il suffit simplement de suivre notre cœur. Pas ce que disent les gens. Tu te souviens ce que tu me disais quand tu étais petite? Que tu avais une nouvelle copine à l'école? Ou que quelqu'un te maltraitait ou t'insultait? Mais tu n'es plus une petite fille maintenant. Et oui, tu es une adulte maintenant. Oh là là, Jelai, tu es vraiment splendide. Excellent travail, Anthony. Ces photos sont magnifiques, tu es le meilleur. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est? C'est les panneaux? Je veux que cette partie est-ce de la que robe Louis soit est rabattue, d'accord? Ok. Attention, madame. Quoi? Attention. Je veux qu'elle soit impeccable, voilà. Magnifique, magnifique. «
Miss V, Vera. Oui, Vanessa. Quoi? Écoutez, c'est Louis. Il n'est pas encore là. Ça fait une demi-heure qu'il est passé et il n'est toujours pas là. Il n'est pas joignable. Tu as essayé de l'appeler? Évidemment que j'ai essayé de l'appeler. Alors que se passe-t-il? Il ne répond pas au téléphone. Je sais pas où il est. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'il est avec Victoria. Quoi? Vera? Comment tu peux dire ça? Comment se fait-il? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Laisse-moi, je m'en occupe. Quoi? Jelai, je ne sais pas comment te le dire. Louis n'est pas arrivé. Nous avons essayé de le joindre, mais il ne répond pas. Jelai, ne t'en fais pas. Ils font de leur mieux pour le localiser. Il n'y a pas de souci, aucun, ok? Il a peut-être eu un petit contretemps, mais c'est certainement pas grave. Ne tirons pas de conclusions hâtives, ok? Jelai, c'est bon, ton père est en route. Le bloc, tout de suite à droite. Louis. On y va. On se dépêche, allez. Louis, notre enfant. Louis, je t'en prie, reste avec moi. Madame, nous sommes là. Louis. Monsieur, excusez-moi, Louis, monsieur. Non, madame, Louis. Non. Allez. Laissez-nous faire Louis. Le travail. Madame. Excusez-moi, monsieur. Calmez-vous. Donc, quelle est la tension? Elle est très basse, docteur. Tout de suite. Oui, préparez-moi la machine. Je la fusion, s'il vous plaît. À vous entrer. Non, pas de temps à perdre. Jelai, je t'en prie, essaye d'être rationnelle, d'accord? Vous, restez mais ici. Vous pouvez me dire écoutez-moi, ce qui se non, passe. Je vous en prie. Mais restez ici, laissez-nous seuls. Si l'un de vous insiste, ça risque je de barder. C'est la catastrophe. Tâchons de garder le contrôle. Hé, Jelai, ton père vient d'arriver. J'aurais dû t'écouter, papa. Louis, mais que s'est-il passé? Je ne sais pas, Ronaldo, mais les médecins s'occupent d'elle en ce moment. C'est vrai? Où est Victoria? On peut pas rentrer. Je veux voir vous ma fille. Pas, je veux la voir. Prenez soin d'elle. Ne vous faites pas de soucis. Oh mon Dieu! M'épouser, voilà tout. Qu'est-ce que je vais devenir? T'avais raison, il est horrible. Je peux pas croire qu'il m'ait fait ça. Comment il a pu me faire ça? Jelai, ne t'emballe pas, il a peut-être un problème. Un portable? Traitez-moi un portable tout de suite. Tiens. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Victoria! Il faut que je la voie immédiatement. Docteur, monsieur, comment va-t-elle? Eh bien, elle demande à voir Louis. Louis, Victoria et ton enfant te réclament. Elle vous attend. Allons-y. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas.
Non, ne me laisse pas, je t'en prie. Reste avec moi, Louis, je t'en prie. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Je suis là. Louis, non. Louis, attends. Louis, attends, Louis. Ne me laisse pas, Louis, non. Ne me laisse pas. Louis. Elle m'attend. Jelai m'attend, je dois les marier. Je suis déjà en retard. Très bien. Vas-y, Louis. Je prends la relève. Va-t'en. Vera, est-ce que tout va bien? Tu en es sûre? Attends. Bien sûr, tout va bien. Besoin d'aide? Non, vous êtes impatient pour la réception, vous avez faim, non? Et te voilà. Vanessa, je t'en prie, je me fiche de comment. Et même si tu dois retourner la ville entière, c'est pas mon problème. Mais tu vas me retrouver Louis Villamort et l'amener ici, maintenant. Vera, écoute, je fais mon possible. Okay. Alors pourquoi il n'est pas ici? Fais-le vite, maintenant. Ok. Ok. Oh, regardez, oh, voici voilà, Vera. Vie. Elle arrive. Vera. Ah, te voilà. Vera. Comment ça va? Eh bien. Enfin, Vera, mais que se passe-t-il? Oui, dis-nous. Qu'est-ce qui se passe? On dirait mais bien rien, que mariage, ce mariage c'est ne tout. Va pas avoir lieu. Dis-nous. C'est ennuyeux. Bien sûr que ce mariage va avoir lieu et que le marié va arriver. Je vous assure qu'absolument rien ne peut empêcher ce mariage. Pas même l'obsession de Victoria pour le marié. C'est vrai, ça? Vraiment? On dirait que Victoria n'a pas joué sa dernière carte. Eh bien, c'est pathétique. Qui aurait cru que Victoria Valera se comporterait de manière aussi navrante, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui. Tout à fait d'accord. Excusez-moi, il faut que je rejoigne la mariée. Okay. Excusez-moi. Ciao. Je me doute de quelque chose. Elle est vraiment adorable, n'est-ce pas? On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas pourquoi. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Je comprends. Allez, suivez-moi. Ah non, c'est sûr, il se passe quelque chose, Jean. J'en suis sûr, j'en mettrai ma main à couper. Il se passe quelque chose. C'est ça que tu veux? Un mariage aussi énorme? Un mariage à l'église? Sur la plage? Peu importe, comme tu voudras. Je préférerais un mariage tout simple. La famille, les amis les plus proches. Je ne veux pas me marier dans un endroit pareil. Épanche, s'il vous plaît. Prêt à couper? Allez, on démarre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, faites qu'elle s'en sorte. Mais je sais qu'elle vivra parce qu'elle est forte. Je le sais. Elle s'en sortira. Je le sais. Je le sais. Quelle espèce d'enfoiré. Tout ceci me rend malade. Je l'avais dit, c'est une mauvaise idée. Je vous l'avais dit que ce mariage ne se ferait pas. Je l'ai dit et redit, mais pas un de vous n'a voulu m'écouter. Voilà. Personne ne m'a écouté. Et voilà où on en est. Quel affreux gâchis, non? Arrête immédiatement, Hermès. Tu ne fais qu'empirer les choses. Maman, papa, ça suffit. Tout est de ma faute. Maman, s'il te plaît, renvoie tout le monde. Tout est fini. Le mariage n'aura pas lieu. Non, Jelai, ne sois pas si impulsive, rappelle-le. Hermès, donne-moi ton portable, tout de suite. Ça ne suffit pas qu'il ne prenne pas la peine de me répondre. Ça suffit. Il n'y a pas à espérer qu'il réponde. Il ne viendra plus maintenant, c'est tout, maman. Désolée, papa. J'ai fait une erreur. Je suis désolée. Votre correspondant est actuellement injoignable. Jelai, s'il te plaît. D'accord, coach. Tiens-moi au courant s'il y a du nouveau. Ok, tu peux compter sur moi. Allô, Louis, où es-tu? Je suis en route. Je t'en prie, dis à Jelai que j'arrive tout de suite. J'ai eu un problème avec Victoria.
Chloé, Neil, dites-moi, j'ai appris que vous étiez fiancés. Alors le grand jour, c'est pour quand? Oh, la date n'est pas encore fixée. Allez, soyez sympa, crachez le morceau. En tout cas, j'espère qu'il ne sera pas annulé comme celui-ci. Non, je ne pense pas. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici, Chloé? J'ai vu votre mère tout à l'heure. Elle avait l'air éreintée. Je veux dire, où est Louis? Pourquoi tarde-t-il autant? Pensez-vous seulement qu'il va venir? Monsieur, s'il vous plaît, où est le père? Je suis le père de la patiente. Mais c'est au père de l'enfant que nous avons besoin de parler. On a besoin de lui pour prendre une décision. Je t'en prie, ce n'est pas le moment.